Amelka, allume le climatiseur. Il est déjà allumé, à plein gaz. Ah, j'ai pas remarqué, je meurs de chaleur. Il fait tellement chaud que le climatiseur a du mal à fonctionner. Passe-moi la télécommande. Prends-la toi-même. Tu disais vrai? Il fonctionne à plein régime. Va t'asperger le visage d'eau froide. T'as de la glace? Il n'y en a plus, on a tout utilisé pour les cocktails. Comment se rafraîchir alors? On pourrait aller à la piscine? D'accord, allons-y. Une seconde, je vais juste prendre un maillot de bain. Oh, quelle chaleur aujourd'hui. J'ai l'impression que je vais avoir un tas de clients. Tiens, 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 vous venez à la piscine? Comme tu peux le constater. Oui, il fait toute une chaleur aujourd'hui. On a assez discuté, on est venu pour nager. Pas si vite. Vous ne le saviez pas, mais la piscine est payante aujourd'hui. Payante? À cause de la forte demande. Très bien, ça coûte combien? 100 $ pour toute la journée. 100 $? C'est une arnaque! Amelka, allons à une autre piscine. Faites donc ça, c'est encore plus cher ailleurs. Tant pis, j'ai tellement chaud que je paierai n'importe quoi pour plonger. Tiens, entre! Rafraîchis-toi bien! Ouais! Qu'est-ce que c'est frais, rafraîchissant? Je refuse de payer autant! Il y a quelque chose de moins cher dans les alentours! Ouais, je peux trouver quelque chose pour toi à 5 $. 5? Je m'en fiche, j'ai pas besoin de luxe. Au moins, je pourrais me rafraîchir. Suis-moi. Et voilà ta piscine. Quoi? Mais je croyais que j'allais nager avec Amelka. Si tu veux nager avec Amelka, donne-moi 100 $. Offert-toi, je ne te rendrai pas l'argent. Mais il y a de la saleté. Tiens, mets-toi au travail. Hé, hey, j'ai payé, ça devrait être propre. Tu reçois ce pour quoi t'as payé. Amelka, toi tu as tout compris. Tu peux m'appeler et me demander n'importe quoi. Rien de nécessaire pour l'instant, merci. Ça craint. Ouais Léo, mais au moins il n'y a aucun risque de noyade. Tu l'as dit. Maintenant qu'elle est propre, je peux nager. Eh bien vas-y, qu'est-ce que t'attends? L'eau est bonne? Excellente. Dommage que nous ne puissions pas nager ensemble. Bah, je me plais ici, moi. Luna! Oui, qu'est-ce que tu veux? On s'ennuie dans la piscine. T'as un ballon, quelque chose? Bien sûr, Amelka. Pour toi, tout ce que tu veux. Voilà, amuse-toi. Merci, tu peux y aller. Léo, attrape! On peut jouer à la balle comme ça? T'as donné la permission de toucher ce ballon. On jouait juste ensemble. Tu n'as pas l'autorisation de toucher ce ballon, toi. Mais je jouais avec Amelka. Et alors? T'as pas payé pour toucher à ça? Alors je peux avoir mon propre ballon? Bien sûr. Mais il n'est pas gonflé, il y a un trou dedans. Alors tu peux me payer pour en avoir un nouveau? Pas question. Tu ne peux même pas jouer avec ton ballon. Amelka, je peux jouer avec toi. Je suis là pour te divertir. D'accord, passons-nous le ballon alors. Et moi, comment je m'amuse? Je peux t'offrir un jacuzzi. Oh, un jacuzzi, bien sûr. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Donne-moi une minute. Voici ton jacuzzi. Quel genre de jacuzzi est-ce? Eh bien quoi? Ça fait des bulles. Arrête de te plaindre. Luna, c'est pas drôle. C'est loin d'être un jacuzzi. J'ai un cahier de plaintes si tu veux. Tu peux laisser un petit mot si ça te dit. Très bien, je vais écrire quelque chose et t'auras plus de clients. Bien, je vais chercher le cahier. Et voici le cahier de plaintes. Mais qu'est-ce que je... Tu peux écrire ce que tu veux ici et le garder pour toi, d'accord?
C'est ce que j'ai reçu. Tu peux rentrer chez toi si tu veux. Non, nous avons payé, alors nous restons ici. Léo, as-tu besoin d'ombre? Luna, fais-lui un peu d'ombre. Voilà. C'est vrai, j'ai besoin d'ombre. Léo, tu abîmes la propriété de la piscine. Mais je veux me tenir dans l'ombre. Ce service est seulement pour ceux qui ont payé 100 $. Alors je dois m'asseoir dans le soleil tapant? Je vais cuire. Bien sûr que non, il y a de l'ombre pour toi aussi. Voici ton ombre. Et où je le mets? Nulle part, tu le tiens dans tes mains. Mais bon sang, c'est transparent! Et comment je vais nager? Tu devras choisir, soit une ombre transparente, soit des mains libres. Il est clair comme toujours que le pire est réservé pour moi. Arrête de te plaindre ou je pourrais te jeter dehors. D'accord. Amelka, tu veux quelque chose? Pas encore. Il fait plus frais ici, c'est bien? Ouais, si je pouvais au moins nager correctement. Et si tu entrais dans cette piscine? T'es folle! Et si Luna m'aperçoit? On pourrait la distraire. Idée sympa, mais comment on va la distraire? Il faut qu'on y réfléchisse. On peut appeler Chuck? Ça ne marchera pas, il est parti. J'ai pas d'autre idée, désolé. Oh, attends, je crois que j'ai une idée. Ne bouge pas. Hé, Luna! Oui, je suis là, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien un cocktail. J'ai du pina colada, de la limonade, du milkshake ou un mojito. Je veux un smoothie mangue ananas. On n'a pas de ça. Je peux te proposer un smoothie à la banane et à la pêche. Mais de quel type de service s'agit-il? Je veux un smoothie mangue ananas, j'ai payé 100 $. D'accord, je peux aller au magasin, mais ça va me prendre une demi-heure. C'est bon, je peux attendre. Mais assure-toi que Léo reste dans sa piscine, tu m'entends? Oui, oui, je le ferai. Allez, vas-y, j'ai soif. Alors, elle est partie? Ouais, allez, viens dans cette piscine! Ouah, c'est tellement mieux! T'as environ une demi-heure! Cool! Vérifions qui peut rester sous l'eau plus longtemps! D'accord! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Super, maintenant c'est à ton tour. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Hourra, j'ai gagné! Nageons maintenant! Qui nagera 3 longueurs en premier? Je vais gagner, c'est certain! As-tu appris à nager? Oui, je me suis beaucoup améliorée! Prêt? Pas prêt? Go! On peut rejouer? Voilà le masque, tu l'auras cette fois. Prêt? Pas prêt? Vas-y!
apprendre à nager. Non, j'apprendrai tout seul. Bien, je suis un peu fatiguée. Moi aussi. Reposons-nous un peu et ensuite on jouera au ballon. D'accord. Oh non, Luna revient. Je me tire. Oh, j'ai fait vite. Ton cocktail mangue ananas. Très savoureux. Bien sûr, il est fait à partir des fruits les plus frais. Hé, hey, Luna, moi aussi j'ai soif. Je veux un smoothie mangue et ananas aussi, s'il te plaît. Ton cocktail, le voilà. De l'eau de piscine? Non, mais tu veux rire de moi? Je te ferai savoir que cette piscine a l'eau la plus pure d'une source souterraine. Tu peux la boire? Mais Amelka et moi, on... Amelka a nagé dedans. Je pense que si quelques microbes y entrent, il ne t'arrivera rien, t'inquiète. Je la boirai pas, c'est une humiliation. Regarde comme il est orgueilleux. Assieds-toi dans ton bain. Pour 5 dollars, je méritais au moins un soda normal, tu sais. T'as de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Je vais te chercher un soda. Hé, hey, Luna est revenue si vite. Et on n'a toujours pas joué au ballon. Commande à Luna un autre cocktail compliqué. Pas tout de suite, elle va se douter de quelque chose. Cette piscine est vraiment nulle. Tiens, j'ai même ajouté du jus de citron pour toi. Quelle générosité, merci. Oh, je commence à geler, moi. Moi, mon eau est tellement chaude qu'elle est presque à ébullition. J'aimerais bien me refroidir. Sans blague, ton eau est vraiment chaude, c'est fou. Changeons nos places, alors. Je ne sais pas, si je demandais un autre cocktail... Allez, pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'on va dire à Luna? Échangeons et nous le découvrirons plus tard. Ah, ce que cette eau est fraîche! C'est vraiment pas si moche ici. Il fait chaud et on peut bien se détendre. Je te l'avais dit! Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Léo et moi avons échangé de place. Et qui vous a donné la permission? C'est bien normal, Amelka a juste cédé sa place pour un moment. Écoute-toi, tu as 10 secondes pour sortir de cette piscine. Hé, mais c'est pas... 1, 2, 3, 4... Plus vite que ça, allez! 5, 6... Et qu'est-ce que ça te fait qui est dans la piscine? Je connais tes astuces, toi. Tu demanderas un tas de cocktails et de nourriture, puis tu essaieras de changer de place. Je ne commanderai rien du tout. Peu importe, c'est moi qui fixe les règles ici. Tu peux changer mon eau, elle est tellement chaude. Pas de problème. Et l'eau de ma piscine est gelée. Fais, j'ai allumé le chauffe-eau. Et moi dans tout ça? Tu vas recevoir ton refroidissement. Qu'est-ce qu'elle fait, tu crois? Tu te moques de moi? Tu voulais être rafraîchi? Je croyais que tu mettrais en marche une sorte de climatiseur. Tu en veux beaucoup trop pour 5 dollars. Luna, je veux nager sur le flotteur. Ouais, on en a. Un cygne, un requin, un taureau, une pizza, un crocodile, peut-être? Stop. Je veux la pizza. Excellent choix. Je vais prendre un bain de soleil maintenant. Et moi, je pourrais avoir un flotteur aussi? En fait, oui, tu en as. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Voilà pour toi, ton flotteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un flotteur, comme tu le voulais. Mais il est si petit, on peut même pas y mettre un chat. On peut mettre un hamster à peine. Un autre flotteur ne tiendra pas dans cette piscine. Je ne veux pas de ce truc. Alors, rends-le-moi si tu ne l'aimes pas. Non, pas question. Tu me l'as donné, alors il est à moi maintenant. Très bien. Je crois que j'en ai eu assez de toi. Ah, ce qu'on est bien. T'as pas des clients à servir, toi? J'en ai déjà fait assez, je mérite un peu de repos, tu crois pas? L'essentiel, c'est de ne pas brûler au soleil. Mon imagination, quelqu'un jette des détritus dans la piscine. Personne ne jette de détritus. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Si je vois quelqu'un qui a jeté des détritus, il y aura une punition. Ah ouais, quoi? Vaut mieux que tu ne saches pas, crois-moi, c'est terrible.
Je te crois. Écoute bien, je te surveille, alors n'essaie pas de bêtises. Léo, le papier est tout mouillé, j'arrive pas à distinguer. Qu'est-ce que tu chuchotes, toi? On se parle juste l'un à l'autre. Je l'ai entendu chuchoter. N'écoute pas aux portes. On dirait qu'elle dort. Elle dort? Super, on peut jouer au ballon. Rentre dans la grande piscine, mais ne fais pas de bruit, elle va se réveiller. Luna dort comme une marmotte, tu peux pas la réveiller. Allez, attrape! Elle est réveillée? On dirait qu'elle dort profondément. Ne fais pas couler d'eau sur elle, sinon elle va se réveiller tout d'un coup. Tu veux essayer de faire une bombe silencieuse? T'es fou, ça va certainement la réveiller, ça! Mais on peut bien essayer! Et si ça ne marche pas silencieusement? Depuis quand t'es une telle lâche? Très bien, essayons, mais n'oublie pas que si elle se réveille, c'est toi qui vas en manger. Elle se réveillera pas! Je commence! Ça ne compte pas, t'as sauté sur un ballon! Mon tour! Tu vois, encore endormi! Faisons-le ensemble cette fois! 1, 2, 3! Qui a fait ça? Cache-toi! Hé! Hey, qui m'a arrosé? Oh, désolé, je l'ai pas fait exprès! Amelka, comment as-tu fait pour éclabousser autant d'eau? Combien pèses-tu? Je l'ignore en fait. Oh, pourrais-tu me faire un cocktail? Quel genre de cocktail veux-tu? Et où est Léo? Léo, il est allé au petit coin. Fais-moi un cocktail, allez, ça presse. C'est bien, certains visiteurs ne pensent même pas à bouger pour aller au petit coin. Oh, quel cauchemar! Luna, dépêche-toi, je meurs de soif. D'accord, je reviens vite. Luna, plus vite! J'y vais! Léo, ça va? J'ai failli m'étouffer. T'as de la chance que je l'ai distraite rapidement. Merci. Allez vite, retourne à ta piscine avant qu'elle ne revienne. Oh, Léo, t'es de retour? Comment t'es passé à côté de moi? Parce que je suis un ninja! Luna, je vais plonger. As-tu un masque? Nous n'avons que le meilleur équipement pour les clients VIP. Dommage qu'il n'y ait pas de récif corallien, une poisson ici. Au fait, tu peux aussi plonger. Tu te moques de moi? Tu veux que je fasse la plongée dans cette maison de grenouilles? C'est une belle piscine, pas une maison de grenouilles. Une belle piscine? Ça peut pas être pire que ça. On a une piscine pour 1 $, figure-toi. Ces lunettes ne sont pas très fiables. Elles fuient un peu, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Profites-en quand même. Ouais, cette journée ne pourrait pas être plus agréable. Elle fuit vraiment et c'est sale là-dedans. Tu aurais dû mieux la nettoyer. Je devrais même pas avoir à nettoyer. Pourquoi l'eau fuit-elle? On dirait que ta piscine a été percée. Fais quelque chose! Tiens, débrouille-toi tout seul. Mais qu'est-ce que je fais? Trouve le trou et colmate-le. Et dépêche-toi avant que toute l'eau s'en aille. Elle est déjà presque tout écoulée. Cette piscine est pleine de trous partout! Hé! Hey, qui a arraché les pages de mon livre? Je l'ignore, peut-être que tu les as jetées toi-même? Non! Quelqu'un a abîmé mes notes! Mon cahier était là tout le temps! Oublie ça, tu ne découvriras pas qui l'a fait. Si, je vais le découvrir. Et comment? Je vais vérifier les caméras de sécurité. Les caméras de sécurité? Bien sûr, je vais regarder les caméras et trouver la brute. Il paiera 10 $ pour les dégâts causés au cahier. C'est pas un peu beaucoup? Il y avait de l'information importante là-dedans. Je vais regarder les caméras. Bon sang, j'imagine ce qui va se passer quand elle verra les enregistrements, Amelka. Elle verra tout. On est dans le pétrin. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une seule solution, avouer qui a abîmé le carnet. Et payer 10 $? Mais c'est pire, si on ne l'avoue pas, elle te fera payer 100 $. D'accord, j'ai pas le choix, je vais devoir avouer.
Bien, j'ai les enregistrements. Je vais les regarder maintenant. Ok, Luna, écoute, je suis désolée. C'est moi qui ai abîmé ton carnet. Je n'ai pas de caméra, au fait. Je voulais simplement que tu avoues tes torts. Quoi? T'es un radin! Maintenant, tu me dois 20 dollars pour le cahier. Mais t'avais dit 10. J'ai changé d'avis. Bon, j'en ai assez de nager. Je veux prendre un bain de soleil. Luna, apporte-moi une serviette. Elle est si grande et douce. Je l'ai lavée avec une poudre spéciale. Et moi, je veux me sécher avec ça? Quoi? Tu veux que je t'apprenne comment te sécher? Je vais sécher plus vite au soleil. Luna, j'ai besoin d'écran solaire. Je veux pas brûler. Une minute. Voilà. Ça sent si bon. Une protection à 100% contre les radiations solaires. Bien, j'ai la peau très sensible. C'est la meilleure crème. Elle te protégera même à l'équateur. Je peux en avoir aussi? Enlève tes mains de là, toi. Ce n'est réservé qu'aux VIP. Mais moi aussi, j'ai besoin d'être protégée. Une seconde. De la crème aigre, tu te moques de moi? Un remède populaire contre le soleil. Prends-la ou ne la prends pas, comme tu veux. Non. Amelka, on peut prendre un bain de soleil? Stop. Tu ne peux pas t'asseoir là. Mais pourquoi? Il y a de la place pour deux. Et si un autre client venait et qu'il était occupé? Eh bien, si quelqu'un vient, je partirai. Non, après toi, il faudra que je la lave. Alors sur quoi je dois m'allonger? Prends ça, c'est très confortable. Confortable? C'est ce que tu crois, toi? Non, mais je sais simplement te remonter le moral. Le carton va se ramollir à cause de l'eau. Alors ne le mouille pas. Je suis au bord de la piscine. Luna veut simplement que tu lui paies plus d'argent. C'est hors de question. Amelka, il semble que ce soit les pires vacances de ma vie. Mes pires vacances, c'était dans un hôtel en carton. Nous sommes allés à la mer, mais nous n'avons jamais nagé. Je suis en train de brûler, j'ai besoin de quelque chose sur ma tête. Oui, c'est vrai, il fait chaud. Luna! Qu'est-ce qu'il y a? Léo et moi avons besoin de chapeaux de soleil. D'accord, je reviens tout de suite. Choisis-en un. Celui-là me plaît beaucoup. Moi aussi! C'est un casque de natation. Il protège contre le soleil. C'est même pas un chapeau. J'ai aussi besoin de lunettes soleil. J'aime bien celle-là. Je me demande quel genre de lunettes est là pour moi. Tu les aimes? Qu'en penses-tu? Oh, c'est l'heure du déjeuner. Je vais t'apporter ton repas. Je n'en peux plus d'être ici. Luna ne fait que se moquer de moi, c'est clair. Je suis d'accord. Je n'accepterai pas une telle attitude. J'espère que la nourriture sera comestible. Nous verrons bien. Voilà ton déjeuner, Amelka. Waouh, il y a tellement de choses. Merci. Les fruits, je les adore. Et maintenant, Léo. Mais quelqu'un l'a déjà mordu. Je voulais m'assurer qu'il goûtait bon. Oh, toi. Bon, je m'en vais. Bon appétit. Ça y est, c'était la goutte qui fait déborder le vase. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je n'écoute plus, Luna. Liberté! Violation! Sors de la piscine! Je nagerai autant que je le veux! C'est clair! Alors tu dois payer 100 dollars, tu m'entends? Je paierai rien du tout! T'en as du culot! Sors vite ou je te ferai sortir par moi-même! Essaie donc! Oh, je vais essayer! Ah! Ah! Viens ici, toi! Non! Ah! Arrête! Ah! À l'aide! Quelle performance! Attends, tu vas l'avoir, toi! Ne me touche pas! Tu crois être le plus intelligent? Tiens! Prends ça! Ah! J'ai payé 100 dollars pour ça, vraiment. Croc, je suis dans le pétrin. Le propriétaire va arriver et va être fâché. Bien joué! Attends, t'as pas monté cette affaire toi-même? Non, en fait, je travaille ici pour 10 dollars. Nous pensions que c'était ta piscine. Ça n'a pas d'importance, je vais être virée. T'aurais dû t'expliquer depuis le début. Luna, t'inquiète pas, je t'aiderai à tout nettoyer. Vraiment? Bien sûr, je veux pas que tu perdes ton emploi. Je peux t'aider aussi, Luna. D'accord, Amelka, range toutes les bouées. Léo, aide-moi à nettoyer. D'accord. Tout est éparpillé ici.
Luna, t'es vraiment quelque chose. La prochaine fois, je te mettrai dans cette piscine. Voyons combien de temps tu peux tenir. Léo, t'as pas souffert pour rien. Pourquoi alors? On a fait une vidéo sympa pour nos téléspectateurs. C'est vrai. Les amis, pour ça, soutenez-nous avec un like. Je supporte tout ça pour vous. Et abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche aussi. Au revoir à tout le monde. Au revoir.